Bonjour la VOD, on va aller visiter le château de Frankenstein dans la deuxième partie du jardin Grandid, avec Envy. On est au 8ème live dessus. Voilà. Non, c'est une flèche, ça fait tomber. C'est vraiment un gros bâtard. J'ai tiré dans le vide. Attends, viens, on fait la petite, ouais. Petite partie jardin. C'est ce que je me disais. Jardin naïfié, un petit peu. Au cas où, des dents et tout. Ouah, les gaulasses quoi. Qu'est-ce que... Ah, y'a un truc qui m'a... C'est quoi ça? Un tic... Oh, tic! Oh, c'est dégueulasse. Oh, y a des tics. Attends, faut le viser. Tu l'as eu? Épicé. Il est sensible à épicé. Putain, ils ont de la vie en plus. En fait, ça va être comme les acariens. Ils ont vachement de vie. Ah, et ils se healent en te tapant, ces petits bâtards. Parce que c'est des tics. Bah moi aussi. C'est super solide. Ouais, j'en ai deux sur moi, c'est chaud. Je vais t'aider avec le tien, comme ça tu m'aides avec mes mères. Ok, merci. Alors. Pas au château. Non mais, attends. Non mais y en a qui t'ont touché. Oh merde, oh, t'es touché. Il faut trop mal à force. Il faut trop mal. J'ai bloqué. Ça m'a quand même fait mal, oui, alors que j'ai bloqué. Il y en a un que t'as bloqué. Ah d'accord, on avait deux. Il y a des deux me taper, j'avais pas fait gaffe. Avec un léger décalage. Ça donne de la bouffe ou pas? Non, ça donne des... chélifères de tic. Ok. Attends, on continue. Non, vas-y, attends, je continue plutôt vers la partie jardin. Ok, ok. Comme ça, on trouve des dents, des trucs, des machins. Alors, bonjour à toi, merci pour le follow, bienvenue. Dicoulas. Ah, une saloperie de pucerons, là. J'avoue que c'est un peu dégueu, les tics, là. Ouais, on affronte des tics, ils sont dégoulasses. Je suis sûr que il y en aura des tics gorgés de sang, là, tout énorme, des fois. Arrête! Trop chiant, on va mettre 8 ans à chaque fois. Oh, j'ai plus d'enduit, merde. Ouais, tu tournes autour d'eux et te rates. C'est vraiment comme les acariens, ils sont très précis. Ils ont vraiment... Précis, ils ont même sautent. Le même bruit, hein. Donc je pense qu'ils sont pas fait à chier. D'ailleurs, j'y trouve. Ils sont tellement solides. Mais je ouais. Récupère comme ça, je cumule. Ok. Il et bien, c'est bien. Encore là, il y en a là. Merci aussi, Félix Loulou, c'est très gentil, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Il y a un truc dans la grotte, sinon on se tire. Hein. Oh, j'ai plus d'endu, comme d'hab. Mais quand ils t'attaquent, de côté, ils font hyper mal. J'ai quoi comme stuff? Pourquoi je me fais défoncer? J'ai... Putain, j'ai le full coccinelle. Ouais, moi aussi. Hein. Ils font café mal, en fait. Heureusement, ils ratent un peu. Oh non, on a un troisième. Ah non, c'est toi. Moi, ouais, ça, un petit coup. Non, c'est pas grave, c'est que eux, désolé. Quand ils nous tapent, ils se healent, ces bâtards. Du coup, bah. Là, pour le coup, je préfère que ce soit toi que. Bon, j'en ai 14, du coup. Faudra un. C'est un, j'ai l'impression, parfois deux. Oh, c'est quoi ce truc vert là-bas? Regarde. C'est quoi le bruit là? J'arrive. C'est quoi le bruit que j'entends? Attends, viens ici. Ouais. Attends un peu. On s'en fout. Ah, c'est là. C'est un tic. Ouais, ouais. J'ai reconnu. J'avais reconnu, mais c'est juste qu'il faisait des petits. En plus. En fait, il faisait que les bruits de pas là. Ah non, moi j'entendais des grands. Comme ils font là. Ok, attends, il y a un truc. Regarde, il y a un truc vert ici. Je sais pas ce que c'était. Là. Un truc qui m'attend à 5€, c'est presque tentant. Ah mais tu m'en parles souvent, de verre. Je sais que... Mais c'est des bonbons. Ou de verre acide. Ouais. Ah ça va peut-être bon, nous donner ouais. Le truc acide du coup. Ouais mais il faut un marteau. Ouais. Oh, tu vas pas les tenter aller à la flèche, ça va être trop long. Oh, c'est du gravier. Ok. Ah, on peut... dans le coin, là. On peut monter plus haut grâce à...
à la manière dont les feuilles sont agencées, ça fait un petit escalier. Je regardais juste s'il y avait un dedans. Ouais, je te suis. Au cas où tu te fais attaquer par un démon des enfers. Ça va, c'est éthique, c'est... Je sens que c'est pas les grosses bestioles quand même. Non mais bon, elles sont suffisamment chiantes. Parce qu'ils sont... ils vont être aussi nombreux que les acariens. Et ils font plus mal. Et tu vois, c'est là où je trouve que notre DPS commence à être problématique. Ouais, je suis d'accord. C'est sympa l'armure coccinelle, mais avoir une armure contre le DPS, quitte à avoir un peu moins de solidité, c'est peut-être finalement pas plus mal, quoi. Pour burst un peu, se débarrasser, quand on en avait 3 là, en vrai. Putain. Veuve noire. Elle est buggée, heureusement. What? Mais il y a des veuves noires dans le jeu. On n'est pas prêt. Oh mon dieu. Elle était où? Ah oui. Elle est jaune. Elle est là, elle est derrière les... les feuilles, moi je la vois faire des allers-retours, toi tu la vois peut-être pas bouger, enfin les feuilles d'étoiles. Oh, c'est die. Oh là là, c'est chaud. Oh, les résistances de fou et tout. Ah, oh, c'est chaud. Elle a aucune faiblesse. Elle a aucune faiblesse. Putain, une veuve noire. Ah, incroyable, ils ont mis une veuve noire. Bon, elle fait la taille de l'araignée loup par contre. Presque réussi à monter, je t'ai rejoint. Un peu abusé, mais bon. Oui, elle fait un peu. Veuve noire, c'est un peu plus petit, quoi. C'est censé être tout petit, une veuve noire. Ouais, c'est... enfin, c'est beaucoup petit, plus petit, en quoi. Tout cas. Voilà, c'est peut-être gros par comparé à nos petites araignées de maison. Quoi en que, en vrai, mais... ça se trouve, les orbilettes et les trucs, c'est pas très gros. C'est juste qu'on a l'impression, vu qu'on joue à ce jeu-là. Hein, en fait, Finalement, peut-être que l'araignée de loup est pas si grosse, en fait. C'est ça, c'est que pour nous, elle l'est, mais... une araignée loup mâle, du coup, c'est, si j'ai bien compris. Orbilette, non? Ouais, dis... non, je crois que c'est orbitelle, hein, vraiment. Petite orbitelle. Non, là où je suis un peu déçu, c'est qu'on voit quand même, mais ça se comprend au bout d'un moment qu'il y a du recyclage, on voit quand même que c'est juste une texture rajoutée à l'araignée loup, quand même, je trouve. Le sprite. Enfin, le verre se déplaçait différemment, moi, je la voyais là. Bah, moi, je la voyais buggée, donc j'avoue que je peux pas trop m'en rendre compte. Elle avait l'air de déplier son corps. Ah ouais? C'est marrant. Ouais. Ah, je savais pas si c'est pas qu'elle essayait de sauter et vu qu'elle était bloquée, elle y arrivait pas. Ouais, peut-être, bon, peut-être. On verra ça une semaine. Mm-hmm. J'essaie de monter, je galère. Ouais, je moi aussi. Des feuilles et tout. Ok, peut-être que j'ai trouvé. Là. Là, je me coince là en fait. Je suis tombé. Non, Lox. Je suis tellement pour rien. Ah, moi, je crois que c'est bien là. Aïe 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 aïe. Comme des saloperies de bestioles dans ce jardin. J'entends des pouilles étranges. Oh non, j'avais réussi. Bon, j'arrive, Envy. Mets un petit bandage, tiens. J'ai trouvé un endroit, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je fais le tour par devant. Ah! C'est quoi ce bruit? Oh, non, le j'entends bruit. Un tic, oh le je bruit, je pas. Ne sais pas ce que c'est que ça. Attends, j'arrive. Oh, s'il te plaît, attends-moi. Je suis quasiment là, je suis à 80. Oh, okay, c'est horrible. Attends, oh, c'est le pire bruit, c'est le pire bruit qui s'est fait dans le jeu. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Bah, je vais essayer de. Viens, viens. Va là-bas. Ah bah c'est pas l'araignée noire là qui est en dessous? Peut-être, ouais. On peut passer là-dessous? Non, on peut pas. C'est au niveau des égouts. Oui, c'est peut-être l'araignée qui est en dessous, ouais, complètement. Ça veut dire que c'est la veuve ouais. noire qui fait ce bruit-là quand elle dort. Vas-y, va voir. Bah, où? Là, là, il y a un trou. Oh, bah, non, je la vois, hein. Ah, tu la vois? Ouais, j'ai vu des petites pattes. Enfin, des grandes pattes, mais des bouts de pattes, quoi. Oh, allez. Je veux pas sauter, ouais. Non, ouais, non, je pensais, mais... elle, parce que vu qu'on connaît pas le bruit. Non, non, mais non, mais oh, c'est. Le bruit immonde. C'est clairement la même araignée. C'est juste que, bah oui, effectivement, ça sert à rien d'y aller maintenant. Là, on va se faire tellement éclater. Quoi? Menace? C'est quoi ce bruit? Putain, j'ai eu peur. J'ai entendu un bruit bizarre. Coccinelle agressive. Oui, t'as un moustique tigre qui te tue aussi. Elle a fait... Ah putain! Oh là là, je suis déjà mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire?
à la coccinelle, trop vénère. Trop, beaucoup trop vénère. J'essaie de t'aider sur le moustique, tu tireras à la flèche. Il est sensible un peu? Pas du tout. Enfin, en tout cas, il a vraiment très peu perdu. Donc s'il est sensible, on est très mal barré parce que... Ça veut dire que... Là, je vais faire l'épée, ça, c'est un peu mieux. En parent... Oh, ce serait bien qu'on puisse le looter pour avoir un nouvel équipement. Je vais essayer de tanker. Ah, je suis pas qui. Vite, je prends de la bouffe. Oh, fais gaffe, sur toi. J'arrive. Coupe frais tailladée, ouais, donc pas empalé. Trop bien le bouclier. Mais juste un moustique, c'est un putain de défi, quoi. Oh, merde. Non. Ouais, j'ai essayé de parer au bon moment, ça aurait été parfait, mais j'ai pas réussi. Attention. J'ai 20 secondes. J'ai réussi à tout parer. Bâtard. Mais c'est trop long. C'est bon, merci. Je me mets en bandage. Yes. Poche de sang et bec de moustique tigre, du coup. Ok, bah ça va se faire analyser. On va avoir une nouvelle épée, ça pourrait être pas mal. Bon, je voulais aller voir là-haut. Et c'était quoi cette coccinelle agressive? Bah elle est toujours là. Hein. Elle est plus sur nous, mais... Elle avait l'air d'être solide. Oui, je pense qu'elle est bien solide. Bah une coccinelle, c'est solide de base. Elle est là, merde. Ouais. Oh la vache, ouais. Oh, elle est solide. Et là, la veuve noire a entendu le bruit. Point faible, mais ils ont quoi avec leurs jambes, là? Infernal, il fait la veuve noire entend du bruit et s'invite à la fête. Ah, j'arrive pas à la viser. Elle est trop bugée pour moi. Ouais, je les ai ramassées. Tu vois où sont mes flèches, ouais? Enfin, j'en ai ramassé un peu. J'ai essayé de t'en donner. On peut vider ses jambes là. Ouf, je me tire. Mais elle est trop buggée en fait, j'arrive pas à lire ses mouvements. Oh, elle a annulé mon blocage en une fois. Quand tu vides ses jambes, franchement, ça lui fait mal. Mais faut réussir à y aller. J'ai plus de vie. Hein. J'ai plus de vie. J'ai. Oh, Jésus. Je la vois plus. Allez, Je me suis retrouvé, elle m'a chargé, j'ai sauté, du coup je suis retrouvé sur elle, ça m'a pas fait de dégâts. On va sauter là. Mais la solidité. C'est j'ai visé le plus bas possible et parfois j'arrive un peu à avoir ses jambes. Tête de coccinelle, saleté résistante. Ah, c'est ça, saleté. Ah oui, c'est tout ces trucs qu'on a sur les créatures du jardin. Il disait.
Bah ça doit être sur les créatures agressives alors. Ah c'est peut-être ça ouais. Il disait créatures du jardin d'en haut là, je sais pas quoi. Putain la vache. Bon, est-ce qu'on peut aller voir là-haut? Je voulais tellement y aller depuis tout à l'heure. Bah au moins on a du nouveau matos, faudra pas perdre nos sacs quoi. Ouais, ça va. Faut que je boive moi. Je vais peut-être manger aussi. T'as vérifié à monter tout à l'heure là? Comment t'as fait? Ouais. Ouais, je t'avais vu monter dessus. Je venais peut-être d'en haut, mais j'ai pas réussi à monter de là. Je pense que c'était quand j'étais depuis une feuille en fait. Je pense. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah, puis la branche peut-être. Ouais, c'est de l'autre côté, ouais. Là, peut-être ça, cette branche-là. Pour aller de l'autre côté. Cette feuille-là, là. Hop, on monte là-dessus. Voilà. Oh, je vois un labo. Oui, et moi oh, je l'entends. Et maintenant, faut monter là, c'est encore plus dur. Putain, la vache. Let's take a look. Gotta get them all. Carabée bœuf. Je l'ai vu que de loin, il a un peu une forme de punaise. Ah bah le poste de recherche il est là. Ouais, et je pense qu'il est pas agressif. Attends, je crois qu'il fait un bruit un peu flippant. Donner, inoffensif. Non, il est pas dans inoffensif. Ah, il est pas dans inoffensif. Il est pas dans neutre. Il est. Non, il est dans colère. Ah merde, ça c'est chiant. Carabée bœuf, concassage, saleté. Oh, il est beau. Ah ouais? Coupe en palais tailladé, point faible, ventre. Bon, bah je nous ai trouvé plein de quêtes. Ah, très bien. Ah oui, prends plein de quêtes, ouais. J'avoue. Oh, j'ai 5000 que molars et on en a 4 mégas. Ça fait un bruit tellement dégueu quoi. J'ose même pas imaginer. C'est ça là ce qui arrive. J'aimerais trop le voir en plein jour là, je vois que de dos dans l'obscurité. Fais gaffe ses colères, il disait. Pas ton ami. Et je sais pas comment on atteint là-haut, j'ai envie de l'atteindre. Allez, juste pour voir. Non mais ton sac, tu es galéré. Hein. Ah non, mais moi je suis un labo là. Ah ouais, je le vois, il cherche. Il envoie des rochers. Il a beaucoup... Il a vraiment... Qu'il a il a vraiment beaucoup de vie. Je pense que c'est encore pire que les araignées. Oui. Oh, il fait un bruit de dinosaure. Il est trop stylé, hein. Dommage de le voir pour la première fois en pleine nuit parce qu'il a l'air trop classe. Bon, c'est bon, j'ai réussi à partir. Surtout qu'il te charge, il te watch, attends. Même avec... avec notre équipe. Ouais, on a plus le stuff, en fait, aïe. Ouais, on a le stuff pour arriver là, mais on n'est pas résistant, quoi. Alors, on se barre, hein. On pourra jamais, hein. Non, mais je veux voir s'il vole ou s'il saute haut. Moi, ouais, je crois que c'est ouf de vérifier ce genre de thèse. On peut voir si on fuit et s'il part. Voir s'il vole. Je crois qu'il me défonce la gueule. Bah non, mais c'est un scarabée, il peut voler normalement. Heureusement, non. Vaut mieux. Hein. Ah, dommage, je suis presque à distance pour le taper. Parce que là où il est en fait il est tout buggy. Il essaie de m'envoyer des pierres mais ça rebondit contre la paroi tout de suite. Et il peut pas me rejoindre. Ah ouais. Non mais essaye même pas, je sens que tu vas te foirer, il va te mettre un coup. Il y a 10 000 de vie, tu vas casser 4 fois ton arme avant. C'est vrai, ça risque d'arriver. Il y a quoi comme sensi? Ah qu'on casse. Sensible au fun. Je,
J'essaye de remonter. Elle a l'air long. Ah, c'est l'eau de feuille en fait. Putain, j'avais pas vu. D'accord. En vrai, il m'a enlevé la moitié de ma vie en un coup. Donc c'est pas mal. Ah, c'est j'avais peur beaucoup, que ce soit pire. Ouais, mais c'est peut-être un. Mais c'est peut-être. Tu sais, comme les coccinelles, ils ont peut-être des coups un peu spéciaux. C'est ça, ça avait pas l'air d'être un coup chargé ou quoi, quoi. Faut vraiment monter sur les feuilles tout en haut pour passer. J'ai l'impression. Ouais, c'est que je m'éloignais du rhino. Ah non, il faudra un pissant. Ah bah si, non, si, c'est bon. Ah, mais je. Attends. Putain, j'ai réussi. J'ai réussi, mais c'était pas facile en fait. Yes, j'ai réussi à monter. Ouais, parfois les insectes ils sont un peu buggés, du coup ils font des tremblements chelous. Un truc de science, c'est un 500, il est gros celui-là. Ouais, c'est ça. Il veut juste 500 de science. A chaque fois que tu vas dans un endroit difficile à aller, c'est 500. Ah, marqué. Oh, c'est quoi, j'ai trouvé un truc bleu là. Marbre suprême. Ouf. Mais on okay, peut pas le looter. Non. Le truc, c'est que je sais pas comment t'es passé jusque là. Tu sais, il faut monter sur l'arbre, mais jusqu'en haut vraiment. Alors, j'ai galéré à trouver. Celui-là, là, la plante qui est là. Celle sur laquelle je suis. Mais en fait, si tu regardes bien, tu peux vraiment monter en l'air. C'est genre. Ok. Non, ça, pas là du tout. Beaucoup plus haut, regarde. Là. Je monte comme ça, j'ai réussi en faisant des gauches-droites entre les feuilles. Comme ça. Comme ça. Comme ça. En fait, ça te permet d'aller au bout, du coup, et de sauter, et ça passe. Mais bon, y avait vraiment que la science après. Hein. T'es pas obligé de t'emmerder. Je suis tombé. Tu fasses feuille par feuille, pas par la tige. Bah tant pis. De toute façon, si t'as tout trouvé, c'est pas grave. Il y a que de la survie, il y a vraiment rien, c'était vide. Et derrière, en descendant, il y a du marbre suprême, mais. C'était même pas à cette hauteur, c'est en descendant. Bon, on peut s'approcher du château peut-être. Il est quelle heure? Il va bientôt être le matin, non? Menace Ouh là là là. Et merde. Oh non. Oh, ça va être long. Ça va être dur. Bon, il fait pas si mal quand tu pars, même si c'est pas du parfait. Putain la vache. Les monstres volants, la parade parfaite, elle est chiante, elle le fait trop reculer. Ouais, j'avoue. C'était moi, putain, j'ai cru que c'était toi. Connard. En fait, on va vraiment devoir faire l'arc-plume. Oui. T'as des flèches un peu, j'en ai que 16. Ouais, j'essaie de récolter. Alors. Je mets ici. Ah, on en a perdu un peu quand même. Tu m'en avais plein. 46, what? Ah, je t'en ai donné 30. Ouais, t'as combien? J'en ai. Il me reste 36 là. Bon, c'est. Okay. Ça va. Franchement, ça va. Non! Même quand tu bloques, il a du sang après. Ouais. Bon. Faire un blocage parfait, c'est pas grave. Ouais, c'est quand même mieux pour les dégâts. Hein. Oui, mais j'ai fait un blocage, voilà, normal, donc c'est vrai que c'est. Toujours mieux. What?
Deux fois qu'il me secoue là, je bloque et ça me fait tomber. Ouais, ah, y'a pas. Tu le trouves, ça me semble. Alors, t'es pas visé? Il m'a même pas touché. Non, moi non plus. Pas lequel est visé, vu qu'il me focus, c'est peut-être moi, mais... Il est raté, en tout cas. Voilà. Trente-six flèches, du coup, j'en ai raté. Hein. Ouais, et puis tu les récoltes pas. Si, sur, si. Moi, j'en cherche, j'en récolte tout le temps. Bah là, à chaque fois sur les cadavres, je vois des flèches. Oui, mais ah oui, les cadavres, oui, parce que c'est facile à loot, mais moi j'essaie toujours d'aller chercher les autres parce que c'est plus chiant. Mais ouais, mais moi, vu que je pense que tu lootes le cadavre, je passe pas forcément dessus. C'est juste que je les vois de loin. Faudrait vraiment le faire un jour. La lampe de Luciole, tu sais, là, elle a réparé. Bon, j'essaie de faire le tour pour trouver l'entrée au château. Ah, mais ça va être incroyable, le château. Ça va être trop bien. J'entends encore un moustique. En fait, je sais pas si on pourrait y aller. Oh non, mais... Ok, d'accord. Bah alors... C'est du jeu de forteresse. Je suis tombé. Tu sais quoi, je pense qu'en vrai, vu le temps qu'on met et tout, tu sais ce qu'il faudrait qu'on aille faire? On aille faire le stuff en fourmilier. En fait, qu'on aille farmer les fourmiliers parce que c'est quand même plus faisable que. Rien que les moustiques là, qui ont un ennemi tout pourri normalement qui est juste un peu fort en dégâts. Oui, mais c'est pas le de fil à retard quoi. Bon, je sais pas si. On peut pas le faire là, ça me saoule. Si, moi je le fais là. Je cours. Ouais, il s'est barré. Ouais, et il y en a encore deux là. Oh! Non. Il t'a vu? Oui. On court, on court, on court. On peut se cacher peut-être là-dedans. Oui, il y a un truc en plus. Oui, viens. Je te suis. J'y vais. Dans la gauche, nice. Oh, en dessous, c'est l'enfer. Ah, merde, je vais mourir. Ah, il a soif, non, c'est bon. C'est pas si mal. Ouais, t'as vu, je t'ai dit c'est l'enfer en dessous. C'est quoi cet endroit? C'est nouveau? Je sais pas, je peux pas bien voir, mais. Je me suis demandé si c'était pas un endroit qu'on connaissait. Il y avait jamais de trucs infectés ici. Mais c'est pas vraiment où on est. On est de l'autre côté de la mare. On peut pas remonter quoi. Ah ouais, bah c'est nouveau alors. Et depuis qu'on a fait pas le choix. Moi j'ai pas de truc. Moi non plus. Je descends petit à petit. C'est bon, regarde là. Sympa, putain la vache. Oh, y a une dent dorée. Ah ouais. Attends, prends ta hache et ouais. Faut que tu casses le bulbe à côté. Ok, c'est sur moi. Je me bats. C'est bon. Je saute, je me barre en fait. Ouais, moi aussi. Dans l'eau, de toute façon, ils nous suivront pas. Ils vont essayer de nous bombarder, mais c'est tout. En fait, c'est des nouveaux trucs alors. Ouais, ouais, mais le monde il a évolué. Je suis sûr que j'étais déjà allé voir là, mais il y avait pas dedans quoi. Non, mais qu'il y a des trucs qui évoluent, mais carrément des compos. Fais gaffe aux poissons, hein. Putain, il vient à gauche. Non, il vient vers moi, cet enculé. Non, il vient vers toi. Non, mais moi, c'est les mobs agressifs qui me font chier puisque je les vois pas. Y'a pas que ça, hein. T'es morte. Aide-moi, le poisson enculé.
déplace pas bien. Il déplace bizarre. Oh, je vais tirer une flèche. Non, je prends ici. Putain, mais moi je dois repasser maintenant là. Voilà, moi je suis passé. Oh, trop bien, on peut. Non, mais attends. Ouais, ouais mais ça s'arrête en fait. Ah je oui, pense. Ok. Il poil trop bas. Sorte, Pourquoi je vais sauter? J'essaie de trouver des passages là, je crois que j'ai trouvé un passage. Ouais, j'ai dessous. Oh, il était tricky celui-là. Oh, il y a une plume. Ok, non, on va y aller. Oh, une plume, ouais, trop bien. Je vais pas me mettre dessus. Ok. Ok, bah dis donc, c'était. Ouais, je pense que c'est. Ça va être compliqué de sauter l'étape. Parce que de toute façon, tu t'imagines avec notre stuff affronté au pire la veuve nord et tout. Parce que j'ai pas vu de stuff antique. Bon, remarque, on va l'analyser. Tiens, je vais aller au labo. En plus, on a eu plein de dents. Prends un peu de bœuf. Tu sais que je me rends compte qu'il y a des attaques, elles m'enlevaient peut-être, le combo m'enlevait presque les trois quarts de ma vie. Ouais. Alors qu'on est en stuff coccinelle, on l'a amélioré 5 fois, quand même pas rien. Et qu'en plus, on a, moi j'ai plusieurs buffs de vie. Je crois que j'en ai deux dans mes talents, j'en ai deux dans, ma, dans mes talents là, que j'ai pris. Et voilà. Ah oui d'ailleurs. Et un avec la mutation. Malgré ça... On a l'araignée loup infestée aussi, on a la reine araignée. Ouais, je pense qu'on va se faire le stuff en fourmilion. Ouais, je pense aussi. Stuff en fourmilion, ensuite on essaie de faire de l'araignée loup. Là, ce qu'on pourrait aller faire pour finir, ce serait fermer des fourmilions un petit peu. Parti au labo, il y avait une puce que t'avais trouvée, non? Toi, t'en avais trouvé une, je crois. Ah bon? Ah, une... non. Ah non, mais c'est celle du bassin, je crois que... Bon, je... bon j'analyse le truc moustique. Rapière de moustique tigre. Rapière de moustique tigre. On le savait. Sûr. Mais c'est vrai que ça intéresse. Maquetier antique. Oh, une arme... Armure thermite. Bon, ça, je vais... Ok, tu te rappelles hier, je t'ai dit... Ah, il y a un truc, je me suis spoil. Ah, c'était ça. J'ai vu le stuff thermite juste au-dessus du stuff fourmilier. Et j'ai pas regardé les autres, il y avait l'air d'en avoir quelques-uns au-dessus, et j'ai pas touché, mais... Bonjour, on avait trouvé... Ah, puce auxiliaire, oh. Ah oui, c'était une puce auxiliaire, 3000, putain, la vache. On a tellement... On en a tellement, puisqu'on a trouvé plusieurs trucs, 500... On a 13 K4 ? Oui, oui, parce qu'on avait déjà 600 et quelques, 700, bah que voilà. Ouais, plus les 500 punaises. Qu'on a trouvé, plus les deux inspections, plus ça va vite. Ah, vas-y, juste regarder... Les trucs. Ouais, je... Attends, je veux juste... Ah, méga milk, je mets quoi? Je mets taille des piles de ressources ou consommables? Piles de ressources? Ouais, ressources, c'est quand même giga pratique. Ouais. Franchement, c'est... On le met à fond, ce truc-là. Et j'ai un truc perso à faire, donc je vais être endurance. Ouais, moi j'ai mis un point mutation active, sinon... Ouais, j'ai mis une autre mutation. Ouais, dans moi, une dent... Parce que j'en avais une de retard. Ouais, moi dans deux dents, je pourrais mettre... Ok, et je vais regarder ce qu'on peut acheter. Forge avancée, cube aromatisé. Ah ça c'est pour attirer je pense, non? Ah mais c'est les cubes, rappelle-toi il fallait des cubes pour faire plein de trucs. Bah ouais mais j'ai pas trop compris. Bah ça sert ça, c'était pour certains crafts quoi, c'est important. Okay. Bah, sinon palme en nageoire, lanterne de plongée améliorée, leurre, livre de recettes bac à sable. Si à lanterne de plongée améliorée... Pièce à Dion, des morceaux de fourmis en repiés cuisinés pour former un croissant comestible. Bien nourri, repas. Et puis une protection contre la grillade. Oh, ça donne une bouffe qui protège contre la grillade. Ah,
Mais le staff fourmi aussi, mais peut-être que comme c'est dans Zelda. T'as des trucs émetteur de bouillettes. Émetteur de bouillettes. C'est un papier fabriqué de morceaux de toutes sortes de créatures. Chaque colonie est attirée par une odeur différente. Oui, j'avais vu ça. Ensemble de panneaux. Ouais, non, mais ça c'est de la déco. Plus pique-nique, plus brouillard, plus de la mare, plus de la haie. Données initiales. Détecteur de ressources. Ou alors, tu te rappelles, on avait le détecteur de. Je sais plus quoi. De Milk Molar. J'ai pris le détecteur de Milk Molar. Oui, c'était ça. Voilà, j'avais oublié, il y avait un truc qu'il fallait prendre. C'était ça. On a... Après, on peut prendre détecteur de scab, de ressources, mais peut-être qu'on va prendre un craft. Ouais. Bah, je sais pas. Il y a des nouveaux crafts. Livre 7 étant, on s'en fiche, c'est soupe. Repas, natation, apnéiste. En fait, faudrait. Mais on en a une pas loin. On a tellement de trucs à acheter. On va prendre la forge, hein, je pense, à les recommander. Il nous reste 5800. Il nous reste 5800 ensemble. On s'en fout d'un éveillé. Mais faut explorer ici, en fait, on l'a jamais fait. Si, ça te donne lieu à la fourmilière qui est juste à côté, là. Dans laquelle t'as. La fourmilière rouge, celle qui est notée rouge. Oui, sauf qu'il y a un creux dans l'eau, un trou dans l'eau. Ouais, ouais, j'y suis déjà allé. Ah, moi non. Mais ici, il y a une dent. Si, on est allé ensemble avec Adrien. C'était pas dans l'ancienne torche. C'était pas dans l'ancienne torche. En plus, on avait été en mode pourri, on avait rush et tout. Hop là. Et en plus, c'est complètement possible qu'il y ait des dents, tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le marteau rang 2, donc on avait peut-être dû en voir. Ah bah lol, t'as un druide. Bah oui, c'est pour ça. En fait, j'ai vu que le détecteur, il s'activait. Je viens de voir que... En fait, j'étais sur le truc de scientifique, là. Pas loin. Ça avait... Je me suis dit, mais what? Ah bah oui. Et je mets... On a détecteur de scab et détecteur de ressources. En fait, les détecteurs, c'est peut-être intéressant à prendre, quand même. On s'en... Ouais, mais on peut en mettre plusieurs. Ouais, c'est complètement tout le temps actif. Ah, oh, c'est trop bien. Je vais mettre ressources pour la science, d'accord? Oui. Voilà, on a plus que 800, on a acheté. Et du coup, j'ai. Bon, il manque une dent en fait. En vrai, c'est trop bien le détecteur de Milk Molar. Là, on pourra... là ça serait intéressant de se balader. Ah ouais? Ouais. Dans le labo, regarde, je suis sûr qu'il s'active. Attends, bah, vu que t'es dedans, je vais plutôt sortir. Attends. Je suis pas dans le labo, je te informe. Ok. Dans le labo, j'ai pas. Ah si, tout. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai l'impression que c'est vers la sortie. Ah, peut-être, parce que moi là j'arrive pas à y accéder. Ah non, ça clignote. Non, non, je suis sorti, non, c'est pas bon. Non, je vais juste sortir et je vais grimper au-dessus pour voir. Ah, ça se trouve, c'est au-dessus. Dans quoi? Non, c'est pas au-dessus. Je vais voir vers les araignées, il y avait pas dedans. Bah. Non. Oh non, mais moi j'aime pas y aller en plus, il doit y avoir là. Je suis jamais entré là-dedans. Oh! Et sûrement. Ah, ouais, maintenant il y a des champis et tout. Lox, t'es sérieuse, tu m'as jamais dit ça? Il y a un rocher à péter au niveau des araignées ah, à l'intérieur. J'ai jamais vu. T'es sérieux? Ah bah. Là oui. Je l'ai vu première fois que j'y vais. Hein. J'avais jamais osé entrer. De leur tronche, j'avoue que moi, vu que j'ai. Bah ça me fait penser à une. Attends, je viens. Attends, je viens. Là, enfin, je suis même pas entré trop. Ouais, je t'attends, ouais. Mais j'ai pas le détecteur, étrangement. Enfin, je voulais aller voir vers eux pour voir si le détecteur s'activait, mais je l'ai pas. Okay. Mais par contre, il y a quand même un truc là-bas. C'est peut-être. Il y a quand même un truc, regarde. On le voit d'ici. Parce que, en fait, à chaque fois, en fait, quand tu rentres. Comme non, ça, mais tu vas comprendre. Regarde. Quand tu rentres, ça devient tout sombre. Mais non, mais là, il y a la grotte. Mais quand tu rentres dans la grotte, et ben tout devient très sombre. Tout d'un coup. Vraiment très très rapidement. Elle nous voit d'ici, t'as vu? Mais moi je vois pas le rocher. Ah si putain. Mais si on le voit d'ici. Et je te promets que si tu rentres tu le verras beaucoup moins. Mais on pourra jamais le... Enfin c'est mort. À moins de caille, des galères. Faut mettre une bombe bah, après elle... je sais pas ce qu'il y a derrière. En fait elle est pas là parce qu'elle est pas là tout le temps. Ça ira parce qu'on pourrait rentrer doucement, mettre la bombe, partir. Attends. Et elle exploserait, au pire ça réveillerait les araignées mais on serait loin. Je vais te dire tout de suite si c'est une dent, je vais me coller là. Ah ouais ça s'active. Okay. Ok. Ah ouais je suis à 2 barres sur 3. Là je suis derrière tu sais mais à peu près de l'autre côté. Ok donc c'est une dent. Vu la difficulté ça doit être un Milk Molar. Un méga je pense. Une araignée juste là. Elle dormait. T'es... Lox, ouais elle m'a vu. Elle est horrible. Elle est tellement affectée de partout. Elle est sortie fais gaffe. Attends. Non ne viens pas. Ne viens pas.
Attends, je l'entends de l'autre côté, je peux venir. Oh non, c'est bon. Oh. Je ressuscite. J'irai chercher, bon, allez, je vais attendre, je vais aller chercher mon sac, allez. Tranquille. Ah, c'est... Elle est horrible. Oh. La pauvre, elle est vraiment toute vérolée. Ça me fait des frissons, c'est vraiment... Faut la tuer, hein. Faut la libérer, c'est pas possible. Elle te fait un enchaînement d'attaques de 3, ça te tue. Ah, t'as même pas gueulé, quoi. Non, mais je gueule jamais. Des fois, je suis là. Des fois, t'as déjà été sûr. Oui, j'ai déjà été surprise, mais là, j'ai pas été surprise parce qu'elle était là. Donc, ah, la combe. Elle est dégueulasse, c'est horrible de la combattre. Je préfère combattre la veuve noire, je te jure, au moins elle est clean. Elle est pas overrolée, ouais. Même le dernier loup, je la trouve plus dégueulasse que la veuve noire. Le fait qu'elle ait un côté très très sauvage à être marron comme ça, je sais pas, ça me. Et c'est elle que j'ai failli me prendre là. Ouais, et je l'ai vu. C'est moche le dernier, j'aime pas. Non, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier dans mon chat, moi ce jeu il m'a rendu arachnophobe. Oh Jox. Ouais, je sais. J'ai entendu le bruit. Je suis poursuivi. Moi, je suis pas en combat, moi, c'est ok. Mais... Moi aussi, c'est bon. Mais comment on va faire pour la tuer? Bah oh, non, mais c'est mort, oublie ça dedans. Ah. Oublie la dent. Non, mais c'est pas là-dedans, fallait que je récupère mon sac. Ah oui, d'accord. Mais on peut oublier la dent, hein, je pense. Allons faire des fourmilions. Fourmi, c'est dégueu, mais on les... Enfin, ça va, en fait, on les voyait bien. Pourquoi j'attaque une fourmi? Au pire, tu veux pas qu'on fasse des quêtes? Ouais, si tu veux. Parce que les fourmis, je pense qu'on va s'engager dans un truc très long. Fourmi? Parce que, en fait, non, le temps d'y aller, quoi. Avec le... Ah bah, avec les tourniennes que j'ai faites, non? Et puis aussi. Tu penses? Ouais. Ok. Non, vraiment? Attends, on n'a pas de bouffe, j'imagine. Ah, je restack les items un peu, ça fait de la place dans le coffre, je clique sur trier. Faut ouvrir les coffres si tu cliques sur trier. Ok. J'avoue, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait ce bouton. Je le fais très souvent. Là, faut le faire parce que ça restack vu qu'on a augmenté le nombre de stacks. Je cherche un peu de bouffe parce qu'on n'en a pas. Ouais, je cherche un peu d'eau. J'en ai mis 3 à cuire. Ah là, dégueulasse. Attends, est-ce qu'on peut craft un truc pour nous aider sur les fourmis? Le Makuhati antique. Alors, il nous faut. Dans Shelter de Tick, il en faut 10. C'est une batte violente. Vous avez pas de véhicule? On a des tyroliennes. Mais dans le jeu, en vrai, un véhicule, à moins que ce soit un animal, finalement, ce serait pas terrible parce que, bah, avec toute l'herbe, les trucs, les obstacles et tout, en vrai, le problème, c'est pas qu'on va lentement. Le problème, c'est que, bah, faut faire beaucoup de détours. Du coup, bah, la tyrolienne, nickel. L'épée de moustique, elle stun un peu plus, elle fait un petit peu plus de dégâts. Ok. C'est cool. Donc, autant que la nôtre en mode amélioré, donc c'est-à-dire en l'améliorant, ça va pas mal dupliquer, quoi. Par contre, ils sont rigolos. Donc, c'est rang 3, évidemment. Et il faut de la rouille, en plus des compos de moustique tigre. Okay. Et plus les poches de sang, mais il faut de la rouille. Et je crois que la rouille, je dirais que Adrien m'avait dit qu'on pouvait récolter des clous. Médian ou toi? Ah non, on s'était dit. On va essayer fait la sur un clou. Mais moi j'ai jamais. Et ça me surprend parce que moi j'ai jamais réussi. En fait, j'ai déjà essayé à taper sur un clou, ouais, ça me disait rien. Ouais, mais faut peut-être essayer avec la pelle pour le retirer, genre. Ah ouais, ou peut-être certains clous. Peut-être certains clous. Se rouiller, justement. Il y en a des rouillés. Ou alors ça a rien à voir et faut se retrouver. Et l'arme de fourmillon, on pourra la faire avec des fourmillons, ça sera cool, ça nous fera une belle arme. La masse mentholée, il nous fait. Ah bah voilà, masse mentholée, saleté résistante. Oh, mais c'est chiant à faire. Par contre, en fait, la masse mentholée, il va nous le falloir parce qu'au moins, il y aura. Tu sais, elle aura. Bah, le fait qu'elle soit fraîche, tu sais, ça va être des dégâts de froid et tout, ça va trop aider sur les mobs qui sont sensibles. Tu penses? En fait, il faudrait faire épée fourmillon et masse mentholée à l'épée fourmillon parce que ça nous ferait une grosse arme, enfin plus puissante qui va durer un certain temps. Et il nous faut juste tuer. 7 fourmillons, il faut 7 pinces de fourmillons. C'est abusé. Et des morceaux, ça, il en faut 3 seulement. Donc voilà. Mais pour te donner une idée, on a eu 3 pinces de fourmillon et 7 morceaux de fourmillon. Donc c'est à dire que les pinces sont pas à chaque fois. Les pinces, c'est pas beaucoup. Hein. Ok, donc c'est mort. La masse est mort. Le Makuhati, c'est mort. Ah, on peut faire la hache thermite. Aïe. Mandibule de thermite, saleté résistante, partie de plume de corbeau. On peut faire la nouvelle hache, la rang 3. Du coup. Attends, il y avait pas... Et mandibule de termite. Il faut pas aussi se faire une hachette. Ah mais oui, mais termite, on connaît même pas. Non, on n'a pas. C'est que tout à l'heure, quand j'ai inspecté le tic, ça nous a débloqué les termites, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Bah comme les fourmillons, on avait débloqué les trucs de fourmillons avant même d'avoir. Oh, chapeau large en fourmillon, on peut le faire. Ah oui, on peut les faire les fourmillons. Ah oui, mais en plus, il faut faire le staff fourmillon. Armure thermite, bout de thermite, corde en peluche, carapace de roi thermite. On a rien du tout. Roi thermite. On a rien de tout ça? Non, mais ouais, on va farmer un peu de fourmillon, et voilà. Il faudrait essayer de voir comment on fait les pets, j'aimerais bien comprendre. Ouais, ça j'aimerais bien aussi. En fait, faudra qu'on essaye avec la visière. Attends, attends, les fourmillons, ils étaient sensibles à quoi? Parce que moi j'ai pas de bonne. Alors, regarde dans les données. Ouais, de bons couteaux, tu sais, de bonnes dagues, et je pense que ça pourrait m'aider. Chose, non. Carte de créature. Il manque des. Fourmillons. Faiblesse à tailladée, c'est ça? Ah bah voilà. Donc il me faut ça. Bah faut voir la meilleure arme qu'on peut faire en taillade. Ouais, parce que moi j'en ai pas. Ah oh bah, l'épée de fourmillon. Ou le truc antique. Mais c'est que des trucs qu'on a à peine des... On a pas de compo. Ah, l'épée fourmi noire. Ah oui, mais c'est une épée. Sa taillade. Sa taillade. Ouais, mais sa taillade, il y a les trois petites barres. Tu sais, les trois petits trucs là. Là. Genre comme une griffe un peu. Il y a l'épée larvaire aussi, mais elle fait pas beaucoup de dégâts. Donc l'épée fourmillon, bah tu peux te la grave si tu veux. Moi je m'en suis fait une. Épée fourmi noire. J'ai déjà fait une il y a longtemps. Ouais. Épée fourmi noire, pardon. Ok, bah on peut faire épée fourmi noire. On peut faire une dague arachnide. Ah, oh, mais c'est pas mieux. Ah, oh, ça fait du poison. Dague arachnide, c'est avant, ça fait du poison, mais ils sont pas sensibles au poison donc. Ouais. Attends, dague arachnide. J'avais vu la dague arachnide. On va garder les trucs arachnides pour d'autres choses. Ah, dark arachnide. Ah, oui, mais c'est ça en fait. Si, la dague arachnide, ça doit être génial. Remarque, en vrai. Bah attends, ça demande quand même des yédicères, 4 venins d'araignée. Je suis sûr qu'il en faut pour le recharger. 4 venins, on en a. Ouais, on non, va pas prendre tout de suite. Franchement, je vais prendre une dague en fourmi noire, c'est déjà pas mal. On va l'améliorer, on doit avoir des cailloux voilà. Un peu. Attends, je vais les craft les cailloux. Il faut les craft à chaque fois, c'est chiant. C'est plaquage, pierre aiguisée fragile. Attends, quoi? Ouais. C'est une. Attends, il y a un truc qui va pas. Quoi? Ah, on peut faire. Putain! Donc, la pierre aiguisée fragile, on a un nouveau craft pour le plaquage aussi. Oui, je l'avais acheté. Il y a plaquage solide ou je sais plus quoi. Bon, bah, je fais avec la sève et les épines larvaires parce que ça nous en consomme un peu. Voilà, je garde 30, c'est bien. Et après, je fais avec les trucs qu'on a trouvés. Une coquille. Toujours les loot, ça, parce que là, je suis en train de les défoncer. T'as 3 bouffes, hein. 4 bouffes même. T'as pas beaucoup de vie donc okay, faut que tu te heal. Ouais, ah ouais, d'accord, j'y vais. Hop, merci, merci. Hop. On a pris qu'une. Franchement, pour les... j'en ai 3 sur moi. Ok, j'en ai pris 3. Ok, je l'ai vu améliorer 2 fois moi. C'est ce sac là. Ah, trio de stockage, ah oui, ça c'est bon ça. Putain, on a des stacks de fou. Non mais attends quoi? On a eu un bug. Pourquoi? Éclat de marbre robuste, on en a 99. Et on peut même pas les destack récupérer. Ah si. On remarque l'éclat de marbre, on n'en utilise jamais en fait. Bah oui, c'est ce que je disais. Moi le marbre... Enfin, on a utilisé pour améliorer la coccinelle. On avait déjà une centaine. Donc j'avais consommé à peu près... genre j'en ai consommé 60 ou 70 pour faire les 2 armures coccinelles améliorées. Et c'est vrai que depuis on en loot. Mais bon, à partir vite en vrai... Ça va partir très vite. Bon, du coup, je peux poser ça. Hop, hop, hop. J'en ai posé beaucoup. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, j'en ai posé beaucoup des trucs. J'ai pu m'améliorer 2 fois avec ce qu'il y avait. Attends, attends. Bah, vas-y, vas-y. Je crois que tu avais déjà fait. Sorry. Non, j'ai pas fait encore. L'arc niveau 5. Avec puissance et mort. L'épée moustique. On l'a déjà amélioré. On peut pas plus. C'est où le truc que je voulais améliorer? Ah oui. L'épée fourmi noire. Ok, bah tu peux améliorer 5 fois, hein, clairement, Lox. Vas-y. Tu vas voir tout ce que j'ai craft, là. Ah oui. Bah, j'ai tout pris, hein. Donc, tu vois, on en a 116. Et éclat robuste, je sais pas trop comment ça marche, par contre. Éclat robuste, on a pas la force 2. Regarde, plaquage fragile. Oh, plaquage fragile, on peut en faire 208, ça va, on en a beaucoup. J'en fais un peu. C'est vrai qu'on récupère tout le temps. Mais en vrai, faut continuer. Hein. À chaque fois, on se jette sur le plaque. À chaque fois, sur le marbre et sur les pierres aiguisées, on se jette dessus. Hein. Oui. Tout à fait. Le
Les plaquages, on craft un peu. On fait 120. Voilà. Ouais. Et après faut faire des cubes. Ah, on peut faire des cubes. Ouais, mais nos pierres aiguisées. Ah, il nous faut des pierres aiguisées robustes. Les pierres aiguisées robustes, on peut faire maintenant. Là, par contre, on en a que 22. Et on peut pas faire le marbre robuste pour le moment. C'est bien dommage. Bon, en tout cas, on est pas mal là. Voilà, j'ai craft ce que je pouvais. C'est trop bizarre. C'est quoi ces sacs de 99 là? Pardon. Mais on en a plein. On y va, on va au fourmillon. Ouais, je pose juste tout ça. Je vais juste voir si j'en pose un, ça fait combien. Ah oui, donc c'est bien un stack. C'est pas des stacks de 99, c'est des stacks de 20 en fait. Pas de 30 ah. Ou du... Oui, de 30 feuilles. C'est ce qui me semblait. Ouais, j'y sais, Grisou, j'y sais. Oh, oh. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste posé tout. J'ai posé énormément de trucs d'un coup, pourquoi? Oh bon, ça allait jusqu'à l'étage supérieur, quoi. Ouais. Viens à l'étage, tu vas voir. C'est à l'étage. Oh la vache! J'ai posé 3 stacks d'un coup, mais il y en a pas 90, là, il y en a plus que ça. Non, un stack de 30. On va faire ça. Oh si, ça va peut-être faire ça. Tu sais que j'aurais jamais vu. On est dans une bulle. Voilà, on rush high, on y va. Putain. Ah oui, on est dans une bulle et ça flotte. Mais c'est trop drôle. J'aime pas que ça marchait comme ça. Non, ça la physique du jeu peut être trop forte. Quoi. Ça revient à certaines choses. Hein. Je te laisse toute là, je commence à y aller. Oui. Et pourquoi tu l'as enlevé? Je voulais voir si le stack était réel. Ouais, il l'est. Et en fait, non, ça se stack à 99, c'est pas un bug, c'est pas bizarre. C'est... Je sais pas pourquoi. Ça dépend des ressources, non? C'est bien la seule que je vois stacker autant. Hein. Bon, enfin bon. Bon, je m'en fiche, je vous cherche pas à comprendre. Il y a quand même... Bon, le jeu, sous certains aspects, a quand même déjà été un peu bugué, donc... Let's go. Ouais, juste je trie les coffres parce que comme ça, en fait, vu que ça fait des slots, on peut continuer à poser, tu sais, alors que les coffres se remplissent en vrai. J'ai bientôt fini. Bah vas-y, je te rejoins de toute façon. Tu sais où c'est? Bah tu sais par où on part, quelle tyrolienne. Il nous faudra des... faut passer par la lampe, non? Attends, j'ai de la bouffe, j'ai de l'eau, et par contre faut que je répare mon épée moustique, elle est toujours utile, et je vais bagner mon épée larvaire. Mon épée fourmillon là. Hop. Enfin mon épée formidable. Ok c'est bon. Il faut que tu montes tout en haut, ouais, au grand. Il faut que t'ailles sur la lanterne. Ah oui t'es déjà, bah j'y arrive. Yep. Et du coup pour amener les trucs là-haut j'ai dû faire tout le tour par le pique-nique pour faire la tyrolienne là-haut. Mais ça devait être chiant. Non, bah c'est... Le truc c'est que personne m'a trop fait chier. Hmm. Je crois que j'ai vu en bas, j'ai peut-être vu une araignée ou deux, mais tu sais, je les ai pas poussés, j'ai fait attention. Bon, voilà quoi. La chaise, la fameuse chaise près du cabanon. Où on est censé aller plus tard. Ouais. En fait, on est censé aller maintenant au niveau d'histoire, mais on a beaucoup trop de choses à voir et à faire. Et on se rend bien compte que le jardin Dieu, c'est du suicide. Oh putain, il y a encore le dessin, il a pas bougé qu'on a fait sur le truc. On va se faire un beau dessin. C'est trop stylé, un dessin drôle. Non mais c'est dur. Ouais, mais t'es pas très organisé en fait, je crois, ce genre de choses. Mm-hmm. J'en marque. Oh, attends, elle est... Ah, je m'en rends pas compte à quel point elle était longue. Je crois que j'ai mis 47 cordes pour la faire. Les cordes, ça va, vu qu'on les fait 15 par 15. Ça va, c'est j'en fais tout le temps. Par contre, j'ai pas pris de trucs de pissenlit. Ah si, j'en ai pris en tête. Et non. Ah j'ai... Donc ça bien. C'est quand même dommage. Et avec les abeilles, moi j'ai un peu peur. Toi l'abeille? Non.
Moi c'est Lox. Lox l'abeille ? Quoi ? Oui bah clairement, quand j'ai fait mon truc, il y a une abeille qui dormait à côté. Elle m'a jamais fait chier, d'ailleurs. En fait, dès que tu te barres, ah oui, t'es non, je dessous, pensais qu'il fallait partir d'ailleurs, je veux pas, fais gaffe. Viens, faut... Ah oui, j'avais refait... Non, 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 faut pas que t'ailles là-bas, tu fais quoi ? Reviens. Ah bon ? Ouais, reviens. Ah merde. Bah, de toute façon... Je crois que c'était là, en fait. Je voyais pas où était l'autre. Du coup, j'ai cru que c'était là. Sinon, je réapparais au labo. Ouais, je vais faire labo ça. Le plus proche, vas-y, ça se trouve, tu seras... Parce que j'ai rien sur moi, donc c'est pas grave. Poste de recherche, c'est celui de la table. Oh, nickel. Bah, c'est exactement là où faut que t'ailles, c'est derrière. Alors, oh, non, c'est derrière. Derrière le labo à partir de où? Ah, putain, je l'avais pas vu. Tu vois, il avait... En fait, elle était préinstallée. Et attends, dis-toi, les deux étaient préinstallés, on pouvait les relier. Et moi, là-bas, je voulais mettre la tyrolienne sur le truc rouge, mais on peut pas. Ça dit, quand j'ai voulu la construire, ça disait seul impossible ou quoi. Alors, peut-être en faisant une structure de compète. Bon, il y en aura directement là, des fourmures, rappelle-toi. Il y en avait qui sortaient là, ici. Non, c'est mais qui m'a fait je viens juste de penser au fait qu'on y allait la nuit et que c'était bien. Ah oui, c'est vrai que c'est parfait. Et en fait, on voit bien vu que c'est quand même bien. De toute façon, moi j'ai pris une torche et demie. Ouais, mais moi j'ai mis le bouclier. Hein. Faut dire les fourmis, ils faisaient très bien. C'est vrai. Bon, il y en a un là-haut là. Oh, il est trop loin. Tu veux qu'on aille plus loin? Ce que j'aimerais pas, c'est qu'ils viennent dans le dos. Bon. On peut peut-être l'avoir avec l'arc. Moi je vois pas. Je suis. Ouais, c'est peut-être les abeilles qui me donnaient l'impression. Ouais, c'est les abeilles, ouais, je pense. Ouais. L'aime. Je sais qu'il y en avait déjà dans le coin au moins un genre. Attention, il y en a un là qui a pop là, ouais. Hier il t'a attaqué à cet endroit là. Là dans le petit truc, ouais. On va aller là. On le savait. Oh non, deux. Oh non, trois. On se barre. C'est mort. On va sur le bord rouge et on voit lequel il nous suit. Mais c'est quoi ce délire? Il y en a aucun qui suit. Ça fait chier ça par contre. Attends, peut-être en voir un. On a deux qui pop instant. Celui-là, je vais essayer de. Non, je pars. Ok, lui, il vient. C'est fait exprès pour l'autre qu'il vienne. L'autre, je pense, nous a lâché. Alors, attends, c'est tailladé. Ah, oui, c'est tailladé, c'est ça. Oh, oui. Ah, bouge, il va ressortir du sol. Oh merde, l'autre arrive. Je me heal, j'arrive. Y'en a trois, hein. Y'en a trois. Le premier, c'est lequel? C'est celui-là? Non. Limite, j'apparais au labo. Ce sera plus rapide, non? Tu vas pas au labo. Ah, mais de toute façon, je pourrais jamais 13, donc. Oui. Maintenant, je vais finir à l'arc, il me suit tranquille. Je sais pas duquel des deux. Mais en fait, il est mort. Ok. On va voir. Ah, merde, tu suis celui du lac. Enfin, du lac. Un lac, mais de l'oasis quoi. Oh, attends, j'ai un fourmillon qui attaque des fourmis. Fourmillon. Ah, oui, t'as raison. Il s'attaque aux fourmis. Ouais, je suis loin du coup, mais bon. Ah, mais du coup, pour se rejoindre, ça va être trop chaud. Ouais, je vais essayer de te rejoindre, mais je regarde déjà si les fourmis l'attaquent. Ça serait bien pratique. Ah, les fourmis l'attaquent. Deux blocages parfaits là. J'enchaîne trop bien. Puis moi. En fait, là où je suis, il y a de l'eau et ils vont pas dans l'eau. Du coup, c'est quand même pratique. Yes. Je vais tuer. Oh, la carte dorée du fourmillon. Oh, GG. Tant mieux parce que eux, quand on aura fini de les farmer, je peux te dire qu'on les laissera tranquilles. Oh putain, c'est trop bien. J'ai envie d'avoir une carte dorée. Merde. Oh. Il y en a un qui a beaucoup moins de vie.
Ah bah Navarre, on avait commencé à éclater, hein. Mais ça veut dire qu'il a pas réagi. Ouais, non, mais en mode, c'est sa vie totale. Mais je pense que c'est ça que le jeu... En fait, c'est que il avait moins de vie et le jeu a considéré ça comme sa vie totale et... Du coup, il avait genre la moitié de ses points de vie, hein, bon, à peu près. Hello Hermès. Tu es trop vite. Très bonne nuit à toi, merci beaucoup pour les games, c'était marrant. Et bisous. On est super mort là-bas. L'avantage, c'est qu'on peut régénérer d'un côté. Ouais. Après, de toute façon, après qu'on a tué les 2-3 qui est autour de toi, bah après, il n'y en aura plus d'autres. De toute façon, il faudra aller plus loin, quoi qu'il arrive, à un moment donné. J'ai combien de mandibules? J'en ai qu'une. Donc 3 fourmillons, je les ai lootés, une mandibule. J'ai mis trop de temps d'empêche. J'ai des 3 bandages et tout. C'est quand même. C'est quand même difficile. Putain, j'ai pas parlé. Chier. Je dirais qu'il avait 2-3 barres de vie en moins l'autre. Oh, le bouclier c'est trop bien. Trop bien. Franchement bien. Ça marche bien quand même la petite hachette là. Ouais ça... la faiblesse on la sent de ouf. Hein. Mm. On entend un truc dormir là-bas. Dans la glacière il y a une araignée. Il me semble. Ah ouais non, c'est mort alors. Il me semble. Oh, c'est vrai qu'il y a aussi une fourmilière aussi qu'on connaît pas. Mais la... Ah oui, c'est vrai. Mais la fourmilière, l'avantage, c'est qu'elles attaquent les fourmillons, mais après, elles risquent de nous attaquer nous. Après, il fait nuit, ils vont peut-être faire dodo. Comme c'est sombre. Ouais, j'ai une torche. Non, mais là, à ce niveau-là, c'est 10 fois plus sombre que le reste. Et hier, quand j'étais dans la fourmilière, j'avais reformé 5 bombes aussi. Il y a du marbre. Oh, trop bien. J'ai quand même vu la première amélioration au marbre, c'est 5. Au marbre robuste. Donc on a beau en avoir 200. La première, c'est 5. Du coup, la deuxième, c'est peut-être 10. La troisième, 15. Enfin, tu sais, ça va. Mm. Je pense que pour améliorer une armure complète, ça va coûter 200 marbre. Enfin, ça va peut-être coûter 100 marbre en fait, tu vois. Oh, c'est fou. C'est une autre ou c'est la même? Est-ce qu'on prend la bouffe rouge, on s'en fout un peu, non? La bouffe? Bah ouais, y'a des billy hot dogs, des morceaux de pommes. On s'en fout un peu, je pense. Bah en vrai, j'ai l'impression qu'il faudrait parce que maintenant on peut faire les cubes là. Non? Elle est trop mignonne. Piquer du marbre. En vrai, ouais, faudrait peut-être qu'on commence à les prendre maintenant. Ah bah on moi je les prends à chaque fois tout le temps, on en a pas là, je crois. Hein. Moi j'en prends un peu, mais c'est que c'est... ça dépend des fois. Prendre la place, c'est que je regarde. Attends, ah ouais. Je te dis par rapport au craft. Quoi? Bah, effectivement, ça ressemble à ce qu'on avait déjà vu en fait. Ça a l'air de relier à l'autre fourmilière noire. Oh! Avec... Un rocher avec un pété l'ox. Là je suis. Oh, j'ai trouvé dans le noir en plus, je les reconnais trop bien. GG. Non, moi j'ai des fourmis qui me font un peu chier. Merde, tiens, viens par là. Follow me. Ouais, on va essayer. On va peut-être les éviter comme ça, les fourmis pas soldats ne nous attaquent pas. Bon, bah tant pis. Oh, ça me permet de me régénérer, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, elles sont plus sensibles quand même aux dégâts pointus. Ok, voilà, c'est là. Let's go, bon. Je recule. Un scab là. Quoi? Bon. Ça ne sert à rien. C'est tout? Bon, on a eu un scam, mais non, mais on peut forcément passer. T'as pas la dague? Ah, la dague sous l'eau là. Attends, on va permettre à casser ça, je crois.
Ouais, c'est un scav. Oh, les bâtards. Putain, une bombe pour c'est un scav, c'est pas ouf. Hein. Mais tu vois, on dirait que c'est ce qu'on connaît déjà, non? Oh, quartzite. 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 Oui. Very good. Il y a un bug. Ouais, bah c'est. En fait, c'est là où on était déjà. Vous y arrivez, pardon. Donc, on aurait pu accéder par là, quoi. On aurait pu accéder au désert par là, du coup, ouais. On avait pas vu, mais on pouvait peut-être pas monter aussi ici. Quoi que si, en fait. Mais what the fuck, comment on a pas vu? Bon, on va voir. C'est des fois, on a l'impression. Bon, on se barre. Ah, mais attends, attends, je vérifie comment. Si, je c'est bien ça, hein. On est d'accord. Ouais. Bon, bon, allez. Cassos. Je suis obligé de cibler, c'est pour voir s'il y a un caillou. Ouais, j'ai bien compris ça, ouais. Ok. Ok, bon, on peut faire quelques fourmillons encore. Tu sais qu'on va même pas faire une arme. Ah là, je sais quand il y a un trou, ils sont dedans. Ouais. Il a beaucoup plus de vie. Il a beaucoup plus de vie. Ah ouais, hein. C'est un peu. Je sais que ça. Oh non mais attends, mais quoi? Ah, y'a une fourmi qui va peut-être l'attaquer. J'ai bloqué. Non. Je vais t'aider au coq parce que ça fait... Oh mais c'est quoi? Non mais c'est mort. Il va... Il est immense. Il est beaucoup plus fort en fait. Ouais, et il est grand. J'ai l'impression qu'il est plus grand. Oh mais arrête de me faire tomber, espèce de connard. À l'arc, hein. Non mais moi j'ai pas ma flèche, quoi. On n'est pas des masses non plus, j'avoue. Il a one la fourmi, quoi. Ouais. Elle est morte, là. Il a dû la défoncer. Je vais me prendre une bouche, je vais essayer de le retaper. Ouais. Je me heal aussi. Oh, j'espère qu'il a pas régène. Oh putain, qu'est-ce que de merde. Putain, continue à taper. Je régène au labo. Oh, quel salaud! Ils sont beaucoup plus forts. Je me suis trompé. Ah, ils me jettent des fourmis mortes! Oui, moi aussi, mais. Ah, mais c'est ça qu'ils jettent, d'accord, je vois les 14 partout. On l'avait déjà vu la dernière fois. Ah, c'est dégueulasse! J'ai plus 14 là, je vais toutes les mettre et je vais essayer de finir. Après, tu peux revenir en Dironienne, quoi, mais. Ah, ouais, je me suis trompé. Ok. Je vais en profiter pour prendre des flèches. Il fait trop mal, putain. Allez, encore un... C'est lui ou moi? C'est lui. Oh, n'importe quoi. Oh merde, ça fait un tunnel! Quand tu le tues! Ah! Ça révèle des trucs alors! Ah ouais, donc. J'en sais rien, j'ai tout sombre. J'attends. J'arrive. Récupère au moins les flèches, maman. J'ai pris des flèches. Oh! C'est quoi cette bête? Oh non, mais tu vas des trucs de ouf, toi. C'est quoi ce truc? Attends. Je vois, en fait, je vois trop mal vu qu'il fait nuit, mais j'attends. Oh la vache! Putain, mais ce jeu... T'es trop bien! Tu vas te faire chier au ski, comparé à Grounded, je te le dis. Il pensait toute la semaine, là. Je pense qu'il va y penser un peu, ouais. Ouais.
Pour pas te soit occupé pour autre chose, mais... Elle admet que... Non, c'est elle... juif. Juif. Je suis trop fan. Ah là 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 là. Les gens qui sont avec nous, ils doivent... Les gens qui regardent, ils doivent découvrir un peu, tu sais, en même temps. Ouais, bah c'est vrai que c'est quand même un jeu... En fait, l'avantage de Candide, en plus, c'est que tu comprends tout ce qui se passe. Tu sais, c'est... Il y a des jeux de survie, quand même, qui sont un peu plus bordéliques. Bah, celui-là, c'est limpide, hein. Ouais. Oh la vache. Comment répondre tout... Ah, c'était pas loin. Ah non. Mais je suis trompée de tyrolienne. T'es tombée. Y'en a pas marre. Lox. Je suis trompée de tyrolienne. Il fait nuit, je vois mal. Mais c'est pas grave, tu l'as fini et tu la reprends dans l'autre sens. Pourquoi tu sautes à chaque fois? J'en ai marre. Attends, je suis en dessous le... Viens mourir près de la fourmilière au pire, ouais. Bah, tu... Ouf. Mais essayer, mais labo, moi je pense que je vais. Au pire, t'es au labo. Bah, t'es au labo de la table, c'est pas grave, c'est à 2 secondes. Vas-y, fais-toi tuer. Me sacrifie devant un bombardier. Il va te tuer vite. Il va cracher là. C'est mignon, le petit tourmi là quand même. Quand elle nous inspecte. Un petit. Tu sais, genre, elle lève un sourcil, on dirait. Mmh. Ok, c'est bon. Oui. Non, vraiment, les fourmis, elles sont trop mignonnes. C'est bon. Voilà. Limite, c'est le mieux. Tu vois, là, t'es encore plus près de ton sac. Hein. Juste derrière, tu prends la tyrolienne. Tu lâches pas la tyrolienne, surtout. Parce que après, tu peux lâcher... Enfin, la lâcher, sauter, et la reprendre. Mais faut être rapide. Ça change l'angle de ta caméra. Tu as fait des trucs dans mon sac? Il me dit que j'ai un sac. Oh non, mais il y a des araignées loups qui se baladent. Donc... Oh, araignées loups bombardier. Araignée loup, fourmillon. Oh, il a bump l'araignée loup super haut. Boum. Ouais, elle a dû prendre des dégâts de chute. J'arrive. Et elle a arrêté de se battre. Elle est pas sur... ouais, les fais flèches. Gaffe, elle est devant toi. Non, ça elle va, est devant j'ai toi. Flèche. Non, j'ai elle un... est devant toi. Non, non, non. C'est, y a pas de... Devant moi, c'est un fourmillon. Ouais, t'inquiète, tu vas voir. Oui, mais bah, le truc, c'est que... En fait, je peux pas venir. Alors. Oh, j'ai touché. Je tirais dessus. Ah oui. Et je la vois. Oh mais le fourmillon du coup il est où? Il s'est barré ce bâtard. Ah c'est bon, il s'attaque entre eux. C'est bon, c'est bon. Je vais rester pas trop loin mais pas trop proche. On va voir qui gagne. Oh, ça va être l'araignée. Araignée loup, elle a à peu près 75% de sa vie. Je lui tire dessus. Comment tu vois la vie? Moi j'arrive pas si je suis pas proche. Parce que je tire dessus. Oui, ça apparaît quand tu tires, oui, ça. Ouais. Je peux pas le faire, j'ai mis une dizaine de flèches. Oh, non, pas mais non, autant, mes flèches elles sont là. Hein. Donc c'est pas 7, les 8. Flèches. Et je... Oh, elle a été assommée. Ouais. Bon, j'arrête, je pense qu'il doit... Peu importe qui gagne, ce sera bon pour nous. C'est l'araignée. Merde. Elle arrive sur toi. Allez, très lourd. Elle arrive sur toi, je crois. Y'a un fourmillon sur moi aussi. J'arrive. Pourquoi j'arrive. Elle ramène tout le monde? Ça... Non. Ah. Ça se passe pas trop. J'ai comme fait crever. Hein. J'ai perdu toute ma vie. Je suis empoisonné. Je vais décéder. Oh, ils m'ont défoncé, les deux connards. J'arrive. Bah tu peux ressusciter au truc. Oh mais du coup elle va régène, ça c'est chiant. Non non mais j'ai tué l'araignée. Oh bien joué. Mais elle a eu le temps de me mettre un coup, le fourmillon aussi et je suis mort. Hein. C'était fini. Je t'ai empoisonné en plus. C'est ça en fait pour un petit putain d'araignée. Oh il y a une dent dans le coin. Ah c'était terrible. Ah bon? Ouais. Enfin moi là où je suis... Oh non il y a un fourmillon. Ah, il y en a quelques-uns ouais.
Mais il est où mon sac? Il est sous terre? Non, non, il est là. Je vais te montrer. Ouais, ouais, je le vois, il est là, il est sous terre. Oh, là, je vais attaquer, fais des trucs. Oui, non, il faut que je prenne mon sac, excuse-moi. Avant de remourir et d'en avoir deux à récupérer. 4. Hey, en fait, il est juste tombé sous terre. Viens, on y va. Ok, attends, je mets ma torche. Ouais, voilà. Attends, j'avais vu un truc. Il est là. En fait, attends, il y avait une créature. Genre, comme un fourmillon inversé. Putain, la vache. Bon, faut le défoncer, hein. On n'a pas le choix. Hein. Il y a une ressource là. Ah ouais, c'est de la quartzite, mais qu'on peut pas avoir. T'as pas pris ton sac? Ah! Putain. Non, mais il m'a fait toute ma vie. Je sais pas où il est, je le crois. Il est là où je suis. Prends-le vite et on se casse. Voilà. Non, il y a une dent en or. Ouais, bah. Vas-y, avance-toi. Attends, il est coincé? Il a l'air un peu coincé. Je vais essayer. Je vais essayer des trucs. Ok. Je me recule, j'attends un peu qu'il fasse ses trucs. Attends, comment je me soigne? Faut que je me soigne, je veux dire. Ah. Attends, j'ai des flèches pour toi aussi. C'est pas, je vais le taper au corps à corps. Vraiment, pars sans faire un parage parfait, ça marche bien. Ah, il a foiré. Il se bloque en fait. Ouais. Nulose va. Mais c'est à cause du truc de quoi? Tellement la honte de mourir contre nous. J'avoue, parce qu'on est vraiment tout petit. Les fourmignons, c'est trop chiant. Voilà. Donc, en fait, il y en a plein de trous voilà. Comme ça. Et genre, va falloir tous les faire quoi. Ouais. Bien. Parce qu'on en avait croisé plusieurs dans des trous, il me semblait. Oh, ok, putain. En dehors aussi. Ah, là, il y a une entrée, regarde, tu vas voir. On y va, on va là-dedans. Ah, oui, mais on était déjà allé. Ah, ouais Ah, oui, si, on est même combattu. Il y a peut-être de l'eau par contre. Je vais peut-être. Ah, il y a peut-être de l'eau, oui, exactement, je m'en rappelle plus. Non. On me dirait. Tu vois, je t'avais dit. Non, non, il n'y en a pas. C'est bien mage d'eau. Bon. Non, mais c'est terrible cette affaire. C'est terrible cette affaire. Ah non, mais ils sont partout les trucs qui te sautent dessus. Ils sont pressés. Je déteste. Bon, le combat? Ouais, parce qu'il me saoule. Vas-y, go. Je suis un peu coincé en plus donc. Oh, j'ai réussi à bloquer. Allez. La pression, hein. T'aimes pas les insectes, hein. Tu dis ça au fourmis? Bah, il attaque d'autres gens, ils sont petits. Alors? Maître d'armes, ouais! Presque fini le jeu, quoi. Tiens, on a un autre là. Ah putain, attends, mais j'avoue, je peux mettre des mutations sympas, peut-être. Ah oh. J'ai mis ça. Est-ce que Fourminator, ça marche contre Fourmilion, tu crois? Non. C'est quoi ça? Choquante expulsion. Les accès de colère deviennent de féroces représailles. L'énergie d'attaque portée est convertie en électricité statique, ce qui déclenche parfois une puissante explosion. Attends, j'ai ça comme mutation, non? Mais depuis quand? Trop bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? C'est une. Ah non, c'est un fourmi en bouche. Ah, d'où ça va, ça se fait. J'avais bien fait. Il défonce trop bien. Ouais. Bah, viens, on enchaîne un petit peu. Il est pas une heure, on va pas trop tarder, je pense. Ouais, on en fait encore. On en fait quelques-uns et puis on arrête. C'est quoi ça? Chacha. Chacha. Chacha, Red Bull. Ah, oh non. Bouge. En fait, faudrait que tu restes à distance et que tu tires à l'arc pendant que je rejoins. Ok. Parce en fait, quand j'y allais, j'arrêtais pas de prendre des dégâts. Ok, et dès que je suis en bas, tu me rejoins. Vas-y. Voilà. Je bloque, voilà. C'est vraiment un boss, hein. Ah, j'ai plus d'endu, attends. Oh, j'ai bloqué. Oh, il m'a quand même fait tomber, il m'a consommé toute mon endu. Oui, ouais, bon, moi c'est bien. Deux fois de suite, oh la moitié de ma vie.
Tu bloques pas, c'est la moitié de ta vie. Hein. J'arrive. Et il t'a touché là. Ouais, ça va. Ah, c'est moi, j'ai bloqué. Oh oui, j'ai c'est le choc. C'est ça le truc bleu, ouais. Ouais. Yes. Bon, et il donne une pince, c'est 3 morceaux. Hein. C'est bien. Ok. Oh, what the... Non, mais c'est des trésors à chaque fois, en fait. En fait, à chaque fois, ouais, c'est ça. Oh ouais, à mon avis, oh, let's go, les bonbons, les a. Et du sel. Ouais, bah, on avait déjà trouvé un. Ah, mais je pensais pas qu'on... En fait, on avait trouvé un, mais on l'avait pas looté. Ça... Si, si. Ça va donner des trucs épicés. On a du sel. Ah, mais pourquoi il chasse alors qu'il y a tout ça comme bouffe? Bah, justement, il continue à mettre. Ah, bah, c'est le paquet là! Ouais, c'est le reste du paquet, je pense. Enfin, le deuxième. Le... Bref, t'as compris. On a eu un peu de tout. Chacha! Ah, c'est trop bien! Ouais, c'est trop bien! Les fourmirons. Du coup, eux. Ah, bah, si, ils vont risquer de respawn dans le trou, quoi. J'allais dire, ils respawn pas, mais si, ils risquent de respawn dans le trou. Oh, regarde, là, il y a un truc. Ah, ouais. C'est. Attends, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, le truc Marbre Suprême, ouais. Va vraiment falloir qu'on trouve un moyen de faire ce putain de marteau là. Bah, on a même pas de quoi le craft pour le moment. On a même pas la recette. Non, on a que la hache. Non, pas cela, c'est des connards. Un autre. Merci, Samy. Ah, j'ai une fourmi dans la gueule, ça me fait ça trop fait peur. J'ai Samy, salut à toi. Je l'ai vu arriver dans ma gueule, hein. C'était nul. Ça te fait comme en vrai si je t'ai une bestiole oui, à la tronche. Oui, c'est ça, exactement ça. Bon, tu mets c'est un vraiment, peu c'est... Ah oui, d'accord. Bah, j'y vais. Quoi que ce serait bien que tu prennes l'agro en fait, me fait chier. Ouais, mais je sais pas, je tire. Bon, j'y vais. Oh, je vais tirer. Oh oui, pas con. Fais gaffe, il va me taper moi. Non, toi, bloque. Ouais, je bloque constamment. Oh putain, finesse, c'était moi plus du tout dans du... Bah, en fait, il a cleave, il a cleave. Ah, il a cleave, hein. Ah, oui. Heureusement qu'on lui fait mal. Ça a dit bien de faire du DPS, quand même. On voit la différence, hein. Avec nos petites épées d'aiguillons de trucs, là. Attends, 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 lui, tu vas. Oh, putain. Je vais l'inspecter pour voir si c'est un spécial. Non, c'est le même. Ouais. Salaud. Mais bonsoir Samus, comment ça va? Merci beaucoup. Bon, je vais arrêter dans pas très longtemps. C'est bon. Ah non, un autre. Oh non. D'accord. Ah, c'est un attends. Petit con. Un petit ouais. Mais attends, faut que je me recule quand même. Ah. Ok. Attends, je me mets un bandage. Tiens, blocage de la perfection, j'ai qu'une. Non. C'est quoi les faiblesses? Oh merde, y'a des champis qui explosent. Ah, y'a des salés. Bah, c'est con, il a du sel dans sa tenue. Je récolte. Ah non, mais je l'ai récolté, canule. Non, c'est pas grave. Donc, on est pas fou. Ok, encore un. Je récolte le sel pendant ce temps, je te rejoins, si on le prendra jamais. Oh, ça lui a fait mal, j'ai l'impression. Faut que tu. Attention, attention, il va vers toi. Ouf, merci de m'en prévenir. Je me doutais qu'il était là, je l'entendais. Ouais, ouais, il a pop quasiment en dessous des champis. Ça, je l'avais pris, ça fait très très mal, ça fait tomber et tout en plus. Attention. Moi j'ai. Merde, j'ai oublié. J'ai 5 pinces. Attends, je vais l'enlever. Faut la hache en 2 pour les enlever. Ok, c'est bon. Ah, encore du marbre suprême. Merde, putain, on en voit partout. On commence à en voir et c'est. On en entend un, j'en entends, Lox. C'en est un ou c'est autre chose? J'en entends un. C'est quoi qu'on a repéré? De la science, non? Il y a la science. SB là. Ah ouais. Mais genre en plus il y a carrément des cavités comme ça, elles sont hip. Enfin ils ont mis plein de choses quoi. J'ai dit, mais ça m'arrange d'arriver de l'autre côté d'un fourmillon et de lui faire le cul. T'sais.
Ah oui. Et il fallait faire le cul d'un fourmillon. J'y mettrai une bombe. Pas ce soir, Samus. Pas jusqu'à 4 heures. Impossible. C'est totalement impossible. C'est trop long. Mais ouais, à quelle heure demain? Matin. Je sais pas exactement à quelle heure, mais... Ouais, vous peut-être 10 heures, quoi. Ça marche. Et partez se coucher, Willow? Ouais. Ouais, il doit pas ouais, vers encore, minuit. Mais... Non, je pense et pas. Au moins, il est en mode chillax. On a tout vu. On bah, surtout qu'il y a de la route, du coup, voilà. Faut qu'il dorme bien comme. Ouais. Ah, là, il est resté un là. Ceux qui vont. Non, c'est Royal. Moi, j'ai pas mon permis. Parce que je déteste conduire. Voilà. Voilà aussi, merveilleux. Ah, là aussi. Il y en a beaucoup. Vraiment c'est bien beaucoup de savoir sel. Qu'on pourra en choper plein du sel. J'en ai 27, dis-toi sur moi déjà. Mais ouais, l'exploration et l'histoire se passent trop bien. Le jeu ah oui. est ouais, trop agréable en fait. Voilà. C'est un peu fastidieux mais agréable. Vraiment, vraiment agréable. Voilà. Je bois un coup. On va peut-être rentrer, non? Ouais, ouais, mais c'est. Ah, tu m'as pas entendu? Ah non, excuse-moi, je parle en même temps. De toute façon, il fait jour, faut qu'on rentre. Yep. Attends, je me cache. Pourquoi grésillement? C'est grillade limite. Ah! Oh putain. Non, 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 non. Continue à focus, comme ça, moi, je risque rien. Il va y en avoir d'autres qui vont pas poser une arme. Je sais ça. C'est pas grave. Je te suis toujours. Oh ! Il y a un truc derrière encore, c'est dégueulasse. C'est lui qui vient de s'enterrer, donc il je pense parti que il s'est barré. Ok. Eh ben, tyrolienon, jusqu'à notre base. Tyrolienne ! C'est trop bien les tyroliennes maintenant. Carrément. Bon, j'aurais un petit sac à récupérer en bas. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais, j'essaie d'en mettre ouais, une autre, je sais pas. Je sais pas si je peux en mettre une plus pratique ici. En fait, ah, peut-être une quand même qui donnera dedans. Si on... Parce que c'est un peu chiant. Quoi? Ah, mais on peut monter. Quoi? À côté de là où j'ai un petit sac, même si je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais quand même y aller pour récupérer. Et ben, c'est juste à côté du râteau, donc je pourrais monter facilement sur la marche. Ok. Mais je pourrais peut-être. Mais ça va être long de monter. Non, ah, t'as vu, j'ai pas vu, t'as vu la gueule du bac à sable, c'est genre un crabe. Enfin, je sais pas si c'est un crabe ou c'est rouge, mais ça fait un peu. Un... Ah, mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça fait crabe. On voit des yeux là, ça fait un peu crabe, je dirais. Je vais récupérer le hot dog vite fait, vu qu'on rentre. Ok. Prendre la place. Bon, le jeu est généreux, je pense que celui-là on l'a déjà pris. Ah, peut-être pas. Il y a ceux des poubelles aussi qu'il faudra choper. Trop la flemme. J'irai récupérer mon sac à un autre moment. Je pense qu'il y a rien dedans, mais j'ai quand même un sac, alors je suis curieuse. J'avais peur que ce soit les flèches, mais non. J'avais passé des nuits dessus avec des potes. Mais oui, mais c'est exactement ce qui nous est arrivé toute la semaine. Hein. On reste jusqu'à 5-6 heures, parce que bah, il est vraiment cool. Et que quand je récupère ce qu'il y a. Quand tu commences un truc, et ben t'arrives pas à t'arrêter, quoi. Ouais, on a pas fait les quêtes, c'est dommage, tant pis. La tyrolienne. Attends, j'ai des trucs à analyser, c'est parfait. J'ai du sel. T'as peut-être des trucs à analyser, non? Ouais, j'arrive. Je vais y voir, mais je pense pas. Sel, c'est flèche salée. Ah. Et c'est pas trop dur à faire le sel. Donc... Attends, à moins que ce soit des flèches à plumes encore. Non, c'est bon, j'ai rien. Flèche salée. C'est flèche à. Putain. Oh, il va nous falloir l'arbalète. En fait, il va falloir moins. Bon, on a des plumes un petit peu maintenant, mais... Ouais, mais ça reste quand même une denrée chiante, quoi. Éclat de sel, tu vois. Lol. Ah oui, je les ai récupérés, les trucs, ici. Bien joué. Ça fait comment? Donc c'était bien, comme je disais. Bon, c'était par là. Ok. C'est vraiment exactement là. Et j'ai réussi à sauter à me faire l'intérieur de la canette. La première fois, je suis tombé en bas. J'ai claqué mon... Bon, j'avais un pissenlit. Moi, je m'en vais, hein. Non. Quoi? C'est sur le bord, je suis tombé. Je crois que t'as pas un pissenlit pour moi, non?
Oh non, non, mais je vais essayer de te faire dans la rivière. Ah non, t'invente pas. Attends. T'invente pas. Je vais ressusciter pas, je vais être juste à côté. Et je vais descendre et puis je vais rentrer à pied. Oh, bah je vais faire pareil du coup puisque j'avais commencé. Ça marche là? Ou on meurt? Ouais. Non, mais tu prends beaucoup de dégâts. Là. Ouais, prends cher. Je vais voir, je vais essayer là. Ouais, pile poil. J'avais pris un bandage quand même entre les deux sauts. Ok, j'ai mon sac. Bon, j'ai plus de vie, j'ai mon sac, mais bon, je vais juste rush. Ah non, je vais aller là-bas, on a la tyrolienne, l'autre tyrolienne. Celle près de la maison, là, tu sais, elle ramène au final. Oh, tout ça pour une fibre végétale, mais au moins, il n'y a pas le sac à dos sur la map. L'autre, il est là-bas. Ok, let's go. Ouais, ça qui est chiant. Le sac à dos, après, il est sur la map, ça casse les pieds. Ouais. Bonne nuit, Grisou, des bisous. Et très bonne semaine à toi. On se voit dans une semaine à peu près. Un peu moins, un peu plus. Ouais, Royal me dit un peu plus finalement. Bah oui, parce que là on part. Bah. J'ai demandé si c'était la lundi et il était pas sûr. Bah je pense que le but c'est de rentrer lundi. Mais il s'est pris. Bah c'est qu'après de toute façon on monte à Orléans pour aller chercher sa voiture. Et à Orléans il y a l'appartement de... dans lequel on est d'habitude de sa maman. L'abandon. Mais non, j'abandonne pas, c'est pas vrai. Un peu quand même, mais bon. Il y a une tyrolienne dans le coin. Ouais. Attends, mais comment on était... Oh non, mais j'aurais dit... Bah si... On était par là. Ah, il y a un truc pour la science. Ah non. Ah, on a une dent ou de la science juste en dessous, enfin pas loin d'ici. Je récupère ça. Je passe par là. On a Toto qui vient à la maison samedi. Ah, tu es cool. Ok. Ah oui, c'est par là. Non, je voulais passer par là, mais je peux pas, il y a des araignées. J'ai la foi, je l'initierai à Gundet sur une autre partie, mais. Pas sûr. Non, l'appel ça fait rien sur les clous. Mais c'était une bonne idée. C'est en on plus, ils sont un petit peu levés. Mais oui. Donc ça donne un peu cette impression. J'ai l'impression de pouvoir faire un levier. Ouais, donc je disais, l'autre tyrolienne, elle est. T'as déjà fait pas mal de chemin. Ouais, c'est bon. Ah, mais non, j'avais pas besoin de passer de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Merci Grisou. Bon, c'est la fois que j'ai initié sur une autre partie, mais pour en vrai. T'as raison. Ça fait chier de recommencer. Bon, on verra. Ouais, parce que c'est. Peut-être un petit peu, tu vois. C'est du taf quand même. Hop là. Y'a pas. Ah, ouais, mais mode créatif, c'est pourri. J'avais vu qu'il y avait un genre de mode créatif, mais. Ouais, bah pour ceux qui. C'est pas un vrai mode créatif, Adrien. Ouais, Didier, il a mis par erreur, mais. En mode t'as tous les patrons de débloquer, mais d'ailleurs j'ai trouvé ça horrible parce que d'un coup t'as tout et t'es bien de t'habituer pendant toute la partie à toutes les recettes. D'accord. De zéro, bah, le mode créatif c'est pas pour une première partie hein. En vrai ouais. Pour ceux qui veulent faire des trucs de ouf dans un décor stylé, puisque c'est quand même un décor stylé, mais quoi, je trouve ça trop triste de commencer en créatif avec un jeu comme ça. Il y a de l'explo et tout. Ok, c'est bon, je suis là.
Bon, je tente de lâcher, on va voir. Ah, ça a marché. Par contre, ma vue, à chaque fois, elle se tourne. Et oh voilà. Elle a failli me toucher l'abeille. Elle s'est mise à me charger le dard en avant. Je me suis dit, putain, si elle me touche, je vais tomber. C'est vrai. C'est quand même un endroit dangereux où j'ai mis de la tyrolienne. On fait la journée, quoi, vu qu'elle ne dorme pas. Alors, attends, comment tu fais pour... Comment tu fais pour réorganiser un coffre? En bas, tu cliques sur trier le stockage. Ok, trop en bien. En dessous du coffre. Et comme ça, tu sais, ça stagge un peu les trucs. Bah, tu sais quoi, je mets. Merde. Je mets l'éclat de sel. Parce que je sais pas si tu les as déjà mis, j'ai pas l'impression. Enfin, quand je veux le ranger, ça marche pas. Je mets l'éclat de sel avec le reste de la bouffe. Je vais devoir réparer. Ouais, mais ça y a un peu de place parce que. Ouais, ah oui, dans les biscuits. Ouais, ouais, je vais vendre un coffre avec les bouffes spéciales. Putain, mais faudrait que j'essaye de voir. Mais y'a pas d'autres stockages en fait, c'est ça qui m'ennuie. Tu sais, j'aurais pensé qu'il y aurait d'autres stockages. C'est vrai que. C'est ça, on les a eu au tout début, ces coffres en feuilles quoi. C'est ça qui va stockage, c'est vraiment. Ah, ceci dit, on a aucune compo en 3. Et le coffre, est-ce que si je vais d'en fabriquer, ça se trouve c'est déjà une compo? Non, mais il y a un autre rangement, c'est une sorte d'armoire, ça se trouve il y a plus de slots. Tu penses fabriquer, c'est où? Deuxième onglet. Je la trouve pas. Ouais, parce qu'il est dans ma main, et là je vais la trouver. Voilà. Ouais, peut-être. C'est à voir, elle demande sûrement plus de compos, et si elle demande plus de compos, je me dis à moyen. Alors des compositions sont un petit peu différentes que vraiment. Ah, à chaque fois, hein, c'est trop chiant. Je range toutes mes flèches, comme ça si t'en as besoin. On va se rattraper en bas, c'est chiant. Bon, le reste on n'aura pas besoin, mais au moins j'ai rangé toutes mes compos flèches et soins, comme ça. Toujours quand je suis pas là, et bah tu pourras tout prendre. Mm. Ok. Ouais, non, mais après. C'est pour ça que j'aurais trop. C'est là-dessus que va s'arrêter la VOD. Des bisous, des.